versions de Pokémon. Oh, facile. Alors Pokémon rouge, Pokémon bleu, non, de Pokémon... différentes générations, mec. Ah, différentes générations. Arthur. Allô. Arthur. Oui, ouais. Différentes générations à chaque fois. Si tu... oui. Oui, mais tu sais même pas comment c'est pour la question. Bon, mais Pokémon rouge, Pokémon or, Pokémon saphir, Pokémon diamant et Pokémon blanc. Oh là là. Et bien noir. Allez, laissez-moi la gueule. Bon, c'est la question pour Wilbur maintenant. Wilbur, comment va s'appeler le dernier Assassin's Creed qui va sortir? Oh, oh, ça. Oh, c'est dingue. Tac, tic, tac, tic, tac, tic. Ben voilà. Il s'est suicidé. Assassin's Creed Revelation. Ah là, oui. Non, mais moi je le savais alors que j'ai rien à foutre de ce jeu. Moi aussi. Bah écoute, je vous pose des questions un peu n'importe ouais, comment. Ouais, bah c'est bien. Bon, bah, question pour Elrid. Alors. Une simple, comme Wilbur. Je suis un assassin et je tue les Templiers. Alors Arthur, chute. Vas-y. Code 10, c'est bien. Donc, attends. Non, pas sur Code 10. Je sais pas, t'aurais pu dire à YouTuber de Call of Duty. Ah oui, bah alors là. Non, c'est pas possible ça. Là. Est-ce que vous avez pas d'autres sujets que Call of Duty par hasard, non? Ouais, j'avoue. On s'en fout en Call of Duty, quelle putain. Année est sorti ouais. Le film Inception? Inception? Ouais. Inception? Attends. C'est quoi toi, Minak? Tactique! 2000, je sais pas combien, 5, 6, 7, 8. Allez, on le non. Fait tomber. Allez, tu crèves. C'est 2000 combien? Allez! Et Arthur qui casse 2000, son bloc. 2010. M'en fous, il peut pas attendre le bloc. Passée, il me semble qu'il est sorti en 2010, si je me souviens bien. Ça l'année passée, ouais. Oui, 12 ans, je sais plus. En plus, j'allais dire des questions, il sait pas. Alors, si, bah attends, je te dis 2010, c'est que c'est 2010. Il me semble. Arnaud, là, je fais comme bah oui, non, mais parce que je dis toujours il me semble, parce que si je me trompe, c'est ton coffre. Quel âge est-ce que c'est pour enfants dans l'exploratrice du Tu peux le. Bah, tu poses des blocs et tu vas faire un pont. Là, il y a une petite inégalité, je trouve. C'est. Ah, il y a une petite Bon. Qui pose la question? Question à Minikusu. Oui. Quand est-ce que Napoléon a été couronné empereur? Mais c'est quoi tes questions là? Oh là là. En 42. Quelle est la réponse, Arthur? En 1804. Attends, Wilbur, voilà. Touche pas. Eh mais en plus, tu me l'avais déjà dit, mais putain. Ouais. Alors. J'hésite limite à. Voilà. J'ai. C'est bon, c'est pour moi maintenant. Ouais. Genre, t'as la cérémonie là-dedans. Ah, j'hésite à te poser une question, mais qui soit. Une question de connard, t'as vu? Bon, moi aussi, j'hésite à poser des questions très difficiles. Non, toi, tu poses pas de questions. Cite-moi. Oh, que ça va être un. Bon, c'est pas grave, même si t'as l'air. Dis-moi tous les noms des continents qu'il y a sur la Terre. Oh, mais c'est quoi ces questions? Oh, c'est alors, attends. Non. Europe, Asie, Amérique, Océanie et. Attends. et Europe, Asie, Amérique, Océanie. Mais putain, j'ai oublié le dernier. Afrique. Afrique. Bon alors, maintenant. Attends Arthur, là t'abuses un peu avec tes machins là. Alors maintenant. T'es prêt à l'action. Maintenant, attendez parce que j'aurais jamais la portée pour le faire. Voilà, je peux le faire maintenant. Eh non, mais j'ai répondu bien. Non. Mais quoi, genre. T'as oublié l'Afrique. T'as oublié l'Antarctique. Non, mec. Si, c'est là. C'est un continent. C'est pas un continent. C'est l'Antarctique, c'est un continent. Si tu suis des continents, c'est l'Océanie, le dernier continent. Oui, l'Antarctique, c'est un. Il y a 6 continents. Il y a 5 continents, mais tu sens qu'il y en a 6 toi. Bon, vas-y, pose-moi une question. Il y a 5 continents, putain. Il y a 6. Mais d'où tu sens qu'il y en a 6 à l'école, on m'a toujours dit qu'il y en avait 5. Hein. Oui, non, mais oui. Moi, on m'a aussi dit ça à l'école que. Mais c'est parce que je c'est nouveau alors, le 5 continent là, c'est nouveau. Il y en a 5. Il y en a 5, bah oui, il y en a 5. Pour une fois, je suis d'accord avec Arnaud. Non, il y en a 6. Bon, vas-y, pose-moi une question. Je suis désolé s'ils sont pas très très ciblés. Attends, c'est, je vais poser une question moi et. Vas-y, non, pose, parce que moi je pose des questions bien pourries quand même. Donc, et alors, c'est pas de ma faute, faut se dire. Allez, une simple. Si c'est sur code 10, la réponse est Britannia. Non. Et c'est Britannia, connard. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Britannia. Non, j'ai dit Britannia. Bon, alors. Ouais, Arthur, reprends ton poste. Oh, Coran. Bon, tu poses ta question. Wilbur.
Tu poses ta question attends. Alors ou pas? Attends, il cherche sur Wikipédia un truc de connard que je ne ferai jamais. B. Allez. Mais j'ai aucune idée, j'essaie de trouver une question bien sûr, mais il y en a pas. Bah Arthur, pose-moi une question. Ah si. De quoi si, il si, fait si, une tourte si. Tiens, Arthur, je t'envoie un lien. Arthur, je t'envoie un lien, il y a, selon les personnes, il peut y avoir entre 7 et 4 continents. Entre 7 et 4 continents. Ouais. Mais ouais, oh, putain, je t'ai envoyé. Non mais on compte pas les Belges et les Suisses. Non, mais vas-y, je t'ai envoyé. Arthur. Ouais. Enfin, par Arthur, Mini. Alors, putain, non, mais les Belges et les Suisses, c'est des incontinents. La blague. Non, mais tu sais même pas 4, faire partager 5, un son. Il y en a 6. Genre, mais c'est son portable. Il y en a 6. Arthur, tu vas voir le. Mais non, tu peux, ça dépend des gens. T'as les Américains. Bon, sinon, et puis, les Américains, ils considèrent l'Europe et l'Asie comme un continent. Donc. Oui, mais les gars, donc, il y a un modèle à 5 continents que j'avais dit Amérique, Asie, Europe, Afrique, Océanie, c'est tout. Mais en général, c'est l'Eurasie. Donc j'aimerais juste savoir qui. Et regarde, regarde en dessous de. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est quoi? Attends deux secondes. Arthur, en dessous des trucs des 5 continents, c'est écrit ancien modèle didactique ne prenant pas compte l'Antarctique et continent inhabité. Donc didactique, ce qu'on apprend à l'école, donc ce que j'ai appris à l'école, donc j'avais juste, voilà. Alors ça, ça c'est fort. C'est qui oxyde? Moi. Alors celle-là. Alors celle-là, putain, elle est violente. Bah pour moi, tu vois. Attends Arthur, quelle équipe a affronté la France lors du dernier match? Allez, c'est simple. Le Canada. Non, ça dépend de quel sport. Ouais, le Canada. Le mec. Ouais. Il est cheat quoi, mais comment il donne même pas le sport. Attends, quel est le. Hop, il y a eu un match avec la France, qui l'a affronté? Ah bon? Quel est. C'est un match militaire? Oui, sauf que. Mais attends. Mais non, Oli. Oli, je parlais pas du rugby, je parlais du foot. Bah oui, bah j'ai envie de te demander qui. Oh là. J'en ai une meilleure. Et moi je suis pas d'accord parce que ma réponse était juste et qu'on m'a quand même viré. Oui mais j'aime bien. Salut. Bonjour. Bonjour. Un coup que tu te fais virer. Hein. J'ai une question bien pourrie. Je m'en fous de demander pour ma victoire. Une question pour Mini. Oui. T'es gay? Vas-y pose. Enfin écris parce que je comprends pas. Je comprends alors pas. Mini. Ouais. Mini. Donc Robert Pattinson a joué dans Twilight, mais tu peux me citer deux films, deux autres films dans lesquels il a joué? Non, je joue pas. Oh, facile. Attention, courant fanboy de attends, Robert Pattinson. Dans... T'as le cube, je te pète un cube. Non, si tu ça fais va. Réponses. Je te pète. Je peux pas répondre. J'ai le droit à des commentaires de Robert Pattinson. Je peux pas parler. Tu as ouais, mais vas-y. Il a joué dans Harry Potter. Ça se voit, non? Non, il a joué dans Harry Potter. Et est-ce que ça compte genre Twilight 1, Twilight? Non, j'ai dit bah, Twilight. Le truc. Non, tant pis, mec, ça fait 15 secondes d'écoulé, tu le tournais sur Wikipédia, tu lâches. Non, oui, largement.